Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu spéciale où on va parler d'un fitness park. Tu vois, je me baladais sur Instagram tranquillement et je vois un fitness park qui ressemble pas aux autres. Au niveau déco et tout, je me suis fait, mais c'est génial! Alors, on va se poser la question, est-ce que c'est un plagiat ou pas? Tu vois, parce que on va dire qu'il y a des similitudes avec d'autres salles, et notamment On Air Fitness. Bon, déjà, ce fitness park n'est pas en France, il est à Madrid. C'est un fitness park qui a décidé de réagencer sa salle afin de ne pas ressembler à un fitness park. Et je trouve ça génial. Tu vois, ils ont mis des néons de couleur et tout, ça fait une petite ambiance, et c'est plutôt sympa. Notamment dans leur salle, il y a un espace plutôt sympa qui s'appelle Burning Park. Je sais pas si c'est une salle de cours collectif ou si c'est un espace un peu CrossFit, mais c'est plutôt sympa parce qu'il y a des néons de partout, il y a une petite ambiance boîte de nuit dans cette salle. Et c'est un espace qu'il n'y a pas dans les fitness parks en France. Personnellement, je trouve ça innovant et cool de ouf pour un fitness park d'avoir un espace et une déco comme ça. Mais il y a deux questions quand même que j'ai dans ma tête, que je me pose. La première, c'est simple. Est-ce que cet espace sera payant comme certains espaces box de fitness park? Parce que oui, dans certains fitness parks, ils ont un espace box où il faut un abonnement en plus pour y rentrer. Alors que dans d'autres fitness parks, il y a des sacs de frappe et des rings de boxe ou des cages MMA à disposition pour tout le monde. Et ça, je comprends pas, je comprends vraiment pas les inégalités qu'il y a entre certains fitness parks. Après, je peux comprendre que certains espaces sont encadrés par des coachs sportifs et des entraînements de boxe et d'autres non, mais voilà, ça fait que moi demain je vais faire de la boxe, je vais pas prendre l'abonnement pour aller rentrer dans une salle de boxe, je vais aller dans un autre fitness park tranquillement où l'espace il est libre pour tout le monde. Deuxième question, est-ce que cette déco avec les néons et tout sera utilisée à l'avenir dans tous les fitness parks ou bien alors c'est juste une franchise qui a voulu faire quelque chose de nouveau? Rendre leur salle unique, leur fitness park unique. Il faut pas se mentir, les salles de sport maintenant sont devenues un lieu où on a envie de s'entraîner, mais aussi on a envie de se montrer, se filmer, se prendre en photo. C'est comme ça maintenant. C'était pas comme ça avant, mais maintenant c'est comme ça, il faut l'accepter. Après, je suis d'accord, le but premier d'une salle de sport est de venir s'entraîner afin d'atteindre son ou ses objectifs ou s'entretenir. Voilà, le but premier, c'est ça d'une salle de sport, mais maintenant, avec tout le business qu'il y a avec le sport, avec les influenceurs, avec les marques de vêtements, avec ce qu'on te montre. Parce que maintenant, on montre aux jeunes, aux gens comme moi, que une personne, elle fait 2-3 photos, elle est connue, elle peut en vivre, elle peut être bien grâce au sport. Ben, on va essayer, on va tenter, on va tous essayer en salle de sport. Il faut que ta salle de sport soit un lieu Instagrammable. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça maintenant malheureusement. Il faut qu'il y ait des néons, il faut que ce soit beau, il faut que quand tu prends une photo, il faut que les gens soient impressionnés, tu vois. Et ça, c'est important pour nous, mais c'est aussi important pour la salle de sport parce que ça leur fait de la pub. C'est important. Maintenant, les salles de sport ont de la pub gratuite de nous, des gens qui ont envie de devenir influenceurs, des gens qui ont envie de faire du contenu, des gens qui veulent partager leurs séances, ils ont de la pub gratuite maintenant. Malheureusement, c'est comme ça et ça restera comme ça et ça va évoluer. On a besoin de néons, on a besoin de couleurs, on veut que ça clignote, on veut que ça soit beau, on veut montrer aux gens qu'on suit qu'on s'entraîne dans un endroit qui paraît luxueux et agréable. C'est comme ça malheureusement. On Air Fitness, la salle dans laquelle je m'entraîne, a bien compris ça. Ils ont un thème, ils ont une ambiance, ils ont des néons, c'est joli et l'ambiance, elle est cool dans cette salle. Et je pense que c'est à ça que les salles vont ressembler plus tard par la suite. J'en suis sûr. Et j'ai parlé de thème parce que c'est très important. Ce mot, il est important parce que fitness park ont pas de thème. Quand tu vas dans un fitness park, tu t'entraînes. Tu t'entraînes, tu rentres chez toi. Après, en même temps, la salle, elle est faite pour ça. Après, ils ont refait leur déco avec des posters d'influenceurs et tout. Ça te donne envie de prendre des photos. Le lieu, il est beau, tu vois. Ils ont redesigné la salle. Ce qui fait que maintenant, la salle, elle est plus grise comme avant. Elle est bleue, il y a de la couleur et c'est beau. Mais voilà, faut aller encore plus loin. Parce qu'avec une salle comme On Air Fitness, qui a vraiment un thème, qui a une ambiance, qui a une âme,
ben Fitness Park, ils doivent réfléchir pour contrer ça. Ils doivent réfléchir. Bah oui, parce que sinon, tous les gens de Fitness Park finiront par partir. Du moins, ceux qui ont envie de devenir influenceurs, ceux qui ont envie d'évoluer. Mais après, même au niveau des machines et du matériel dans la salle, les gens de Fitness Park finiront par partir, c'est sûr. C'est pour ça que je trouve l'initiative de Fitness Park Madrid vraiment excellente. Ils ont réussi à transformer un Fitness Park, à changer la salle, à faire un Fitness Park unique. Mais j'espère vraiment qu'en France, ça va se bouger et faire les choses. Maintenant, j'ai envie de parler de ça. Ce que j'en pense de tout ça là. Le problème, c'est qu'en France, Fitness Park a changé de thème et d'image il y a 2 ans. Tu vois, ça a coûté du matériel, ça a coûté des affiches, ça a coûté des panneaux, la peinture et tout. Et comme c'est des franchises, pour la plupart, ils n'ont pas envie de mettre de l'argent en plus. Ils n'ont pas envie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire un club, avoir des abonnements, ça tourne, fin. Tu vois? Mis à part, si le siège Fitness Park leur dit « Maintenant, mets des néons, c'est comme ça », ils vont payer. Mais si c'est à la franchise de se bouger, c'est mort. C'est mort. Il n'y aura rien de tout ça. Ou bien alors, les nouveaux Fitness Park qui ouvriront à l'avenir, peut-être. Mais ça sera très compliqué. Et j'ai une petite note personnelle à ajouter au cas où si Fitness Park veulent rajouter des néons et rentrer dans un concept boîte de nuit comme Madrid, c'est d'avoir un thème. C'est très important. Parce que les néons qui clignotent, c'est bien, mais ça saoule vite, rapidement. Il faut un thème. Fitness Park sont dans le jaune, mettez des néons jaunes. Mettez des néons bleus, vous êtes dans le bleu, mettez du bleu. Restez dans un thème de couleur spécifique. Faites pas des choses qui clignotent de partout. Sinon, on va vite se perdre. On va très vite se perdre. En tout cas, moi, je le pense et je l'ai toujours dit qu'avec l'arrivée d'Honor, Fitness Park va devoir retravailler son image dans la salle afin de rester numéro 1. C'est important. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je te cache pas que dès que j'ai vu ça sur Instagram, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo de cette salle. C'est important. Et mon but aussi, c'est d'y aller. D'y aller, voir comment c'est, voir si je peux faire des bonnes vidéos dedans, voir si la salle est aussi agréable que je le pense visuellement. Parce qu'il y a plein de salles où quand tu vois en photo, tu fais waouh. Mais quand tu vois en vrai, tu fais ah ok, c'est petit comme ça en fait. Donc voilà, j'ai envie de voir et découvrir cette salle en profondeur. J'espère que cette salle va rester. Hein, et j'espère que ce thème et ces ambiances vont donner des idées au Fitness Park en France, afin que cette franchise puisse évoluer et rester numéro 1 tout simplement. Bon, sur ce, moi, je vais te laisser ici. Si tu aimais cette vidéo et si tu aimes bien ce genre de contenu, mets un like, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.